Ok, je vous remercie de nous donner l'occasion de nous exprimer et de dire ce qu'on est en train de faire. Je, on ne m'impose pas une langue. Personne ne m'impose une langue. Vas-y, c'est ça. Je parle la langue que je veux. La langue malienne, mais c'est quand même voilà. Français, la plupart des maliens comprennent ça. En français, pour ceux que la personne qui parle est morte, j'aime ça le nom, encore encouragé. N'est-ce pas, on va vous encourager. Nous, on s'est présenté à cette élection à la suite d'un constat. C'est-à-dire, pendant 10 ans, il y a eu un bureau. Le bureau a implosé, il s'est scindé en deux. Ensuite, la partie du bureau qui a continué le mandat, qui était faire un second mandat, se termine avec 7 candidats. Les gens se trompent quand ils disent que les Maliens ont beaucoup d'associations, c'est un signe de solidarité, etc. C'est faux. Une association qui a raison, c'est qu'elle est entre-bénédée. Si on a un bénédé avec quel endroit on est, se retrouver avec 800 associations, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord. Même si quelqu'un pense que c'est une richesse, moi je n'y crois pas. Donc, nous nous sommes dit, tiens, il ne faut pas laisser les choses continuer en l'état. 7 candidats sortis du même bureau, c'est peut-être qu'il y a un problème. On a passé en revue un peu les besoins, les difficultés, les avantages qu'il y a à avoir une élection dans des conditions comme ça. Après analyse, on a compris que le principal enjeu de cette élection, c'est de rassembler les Maliens. Les Maliens feront créer la cohésion sociale, créer la cohésion entre les Maliens. Et puis, on s'est dit, tiens, le candidat que je suis, Mamadou Cissé, il a l'habitude de faire ça. En 2002, Malien pour tout le monde, voilà, ça va, aucune documentation en fait, c'est par les quoi. Je les ai mis autour d'une table et j'ai organisé des rencontres, plusieurs rencontres, en Chiragne, à Dobola. Avant la visite du président ATT en France, ici, pour ses 100 premiers jours en 2002, j'ai pu rassembler les Maliens et aller à la rencontre du président de la République. Unis à donner des discours quand même. Les gens qui sont là à vérifier, c'est l'histoire facile à vérifier. Après, on a continué dans un processus comme ça, on a mis en place un bureau. Le bureau sera, mais là, la flyer, parce que d'autres sont là. On est resté dans cette division aussi. Et on ne s'est pas entendu. En 2008, on a mis en place un bureau. Là aussi, il y a eu la scission. Et en 2014, pour renouveler le bureau, en tant que vice-président du bureau sortant, j'ai sacrifié mon mandat, j'ai sacrifié mes prérogatives en tant que bureau sortant. Ma fongo, en de à Wajibel, dans le cas organisé, ma fongo, non, ma organisé à Teke, ma fongo, non, ma blague, fait là à Teke. J'ai serré la main à Médicara dans cette salle-là, à Nyamnyongolo serré. En Bernard, comme nous le pouvons banana, en Bernard, la commission indépendante, c'est une consulat. Il reprendra en 2014. Il reprendra, erreur Tchaman Toubala, Bembalia Tchaman Toubala, mais j'ai dit non, je serre la main du gagnant, et puis bon vent, à Ebarake, on verra dans les années à venir. Bon, en gros, au Kéléa, au dépendant. Pour avoir eu cette expérience-là, moi, je suis capable de rassembler les Maliens. J'ai des atouts pour rassembler les Maliens. Parce que mon cas, je retiens dans la communauté là. Je n'ai jamais abandonné quelqu'un après un vol, des choses comme ça. Et chaque fois que je suis intervenu dans la communauté, j'ai accepté de faire des concessions extrêmement importantes. Du coup, je peux rassembler les gens. Et je pense que, non mais fin, à la suite de cette élection, si le président n'est pas capable de regarder les Maliens droit dans les yeux et leur parler et leur dire, voici ce qu'on doit faire, en Canada, le Seigneur, quelles soient les bonnes intentions à Tébec. Donc, notre engagement vraiment essentiel et principal, c'est rassembler les Maliens, faire en sorte que le Haut Conseil soit légitime, légal, et surtout, que les gens nous respectent. Parce que quand on est divisé, la personne ne nous respecte. Hein. Moi, je me souviens en 2012, quand le Mali a été attaqué, je vous ai parlé d'expérience. Si les institutions internationales, l'Union européenne, tout le monde nous a écoutés, c'est parce qu'on était unis. On parlait d'une même voix. N'entraînera le conseil de base cède la place aux organisations, aux organisateurs, aux associations. Pourtant, c'est nous qui les avons mis en place. Donc, maintenant, on est fort. Et quand on est fort, n'entraînera comment nous faire. Il va accepter. Il ne peut pas nous refuser.
Quand Hollande est allé intervenir au Mali, le soir, il a dit, tiens, il y a un problème. On va appeler les Maliens de France pour discuter avec eux. On m'a contacté, nous nous sommes rassemblés, on est allé en délégation à la présidente, à l'Élysée. Il nous a dit pourquoi il est intervenu, dans quelles conditions les choses se sont passées. Voilà, sur Anne Yegardeno, Mali Yegardeno, les deux tiers du pays étaient occupés. En tant qu'association, en tant qu'acteur de la communauté, on a dit c'est une bonne chose, Mali on soulagera et on verra la suite, ce qui va savoir donner. Pour dire tout simplement que si on est unis là, non, Faradem Kamanka, on est fort. C'est cette année-là qu'on est rassemblé à la mairie de Montréal, on a préparé une rencontre de Bruxelles où notre président est de retour dans la transition, il est parti. Le Mali attendait 200 milliards d'euros pour sa reconstruction après la crise. Il y a 230 milliards de soldats. Les Maliens de France ont été mis au cœur de la préparation de cette activité-là. Il y a surtout parce qu'on était unis, on était forts. Voilà. Moi, je crois qu'il faut qu'on soit rassemblés. Non, moi, il faut qu'on soit rassemblés. Il faut qu'on soit rassemblés. Mais tant qu'on n'est pas unis, on n'est pas fort. Et quand on n'est pas fort, que ce soit la France ou le Mali, on peut le considérer. Si, à l'époque, nous avions un cadre de concertation avec l'ambassade et le consulat. On avait un cadre de concertation dans le cadre de la coopération avec l'État français. Ça monte en ambassade pendant une semaine dans mes baraques. Et ce cadre de concertation a permis à ce que, on a dit à l'aéroport pour 50 000 personnes, on a une machine pour commander, on a une machine chama-chama, on a 200 000 personnes enrôlées. Témoin au gouvernement, il y a vérifié. Quand on est unis, on est fort. Donc, en notre programme est guidé. On compte sur vous, quelles que soient les conditions dans lesquelles le bureau sera mis en place. Je crois que si on arrive à faire sortir un président capable de nous aider, de nous tirer, en même temps, voilà. Beaucoup de courage et merci beaucoup. Merci.